Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Sunkenai. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de conclusion du walkthrough de Jack and Daxter The Precursor Legacy sur PS3. Donc on se retrouve en haut de la citadelle de Golemaya pour la quête de nos 100 piles d'énergie. Donc voilà, une petite mort comme ça pour vous montrer en gros que j'ellipse et que je reviens à la hutte du sage bleu. Alors je vous rappelle, la hutte du sage bleu c'était dans la partie 5, hein, c'était il y a quasiment 10 parties, hein. Donc village bleu où on débloque les sources d'écho jaune, etc. Où il y avait un giant lurker qui nous bloquait le passage. Si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous les conseille d'ailleurs, hein, vidéo de 5 à logiquement 10, 5, 6, 7, 8, 9 en fait, hein. Donc on a le village, hein, qui est intact, on a récupéré toutes les piles d'énergie, etc. Il n'y a plus le giant lurker là-haut. En gros, je fais tout ça tout simplement pour aller récupérer la pile d'énergie qu'il me manque sur le chemin. Donc je vous rappelle, hein, il y avait un rocher qui nous bloquait le passage, et il y avait une espèce de source bizarre au sol à un moment dans le passage à Zoomer. Donc, en gros, c'est tout simplement là où on a une source d'écho jaune que nous n'avions pas débloquée. On les a débloqués dans la montagne enneigée, je vous rappelle. Donc du coup, on a que 99 piles d'énergie et la centième se trouve derrière. Alors logiquement, pour ceux qui ont joué au jeu, vous vous dites il y a un bug, parce qu'en fait dans le jeu il y en a 101 des piles d'énergie. En gros il y en a 100 en temps normal pour que quand on batte le robot précurseur sans être revenu en arrière ici, on puisse déclencher la cinématique de fin. Seulement il y a toujours des bugs, et d'ailleurs je n'ai pas eu les 2000 orbes à la fin de la citadelle, ce qui est un peu normal puisque j'en ai raté 5 dans un passage à Zoomer qu'on va aller récupérer d'ailleurs. Vous allez voir, il y a encore d'autres bugs. Donc en gros, il y a une pile d'énergie qui a miraculeusement disparu. C'est celle de la plage sentinelle. Donc troisième partie, hein, pour resituer. C'est celle en gros de qu'on débloque quand on tape le pélican et qui drop sa pile d'énergie qu'on doit aller la chercher sur la plage. Alors bizarrement, le jeu ne considère que je ne l'ai pas faite celle-là, alors que dans ma vidéo j'ai le souvenir de l'avoir fait, ce qui est un peu étrange. J'ai re-regardé, je l'ai fait en plus, donc c'est vraiment bizarre, enfin, je sais pas. Donc peut-être que j'ai regardé le mauvais Warsaw et que j'ai regardé celui de Dailymotion, ça m'étonnerait, mais bon, en tout cas il me semblait l'avoir fait, donc bon, on va le refaire quand même pour aller sans une pile d'énergie. Donc voilà la plaine dans laquelle voilà, se cache la source d'écho jaune. On prend de l'écho jaune, on tire sur le rocher et centième pile d'énergie, voilà. À Zoomer. Et attention, on va voir le petit sens affiché en haut, c'est magnifique. Donc petite ellipse, et là on se retrouve dans le canyon de feu en fait, hein, là où on avait le canal de la vie, je sais pas. Canyon de feu ou canal de la vie, qu'en gros il y en a un, c'est pour passer du premier monde au deuxième monde, et l'autre c'est pour passer du troisième à la citadelle de Gaulle. Je mélange toujours. Donc en gros on a la petite phase à Zoomer qu'on a fait dans la partie 12, hein, pas très compliqué. Et en gros j'avais juste raté, enfin j'avais juste pris le passage de gauche alors qu'il fallait prendre la droite ici, voilà, pour récupérer 5 foutus orbes qui étaient sur mon passage. Voilà, le quatrième. Et on a les 50 du canal Lavic. Alors vous allez vous dire, mais c'est bizarre, logiquement, c'est censé marquer qu'il en a 2000. Alors le truc en fait, c'est qu'il y a ces orbes là qui ont malheureusement respawné. Alors ceux-là sont vraiment des bugs. À chaque fois qu'on déco, hein, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Hein. Pourtant, je les avais récupérés, il me semble, quand j'avais exploré pour la première fois le. Voilà, 2000 sur 2000. Quand j'avais exploré pour la première fois le cratère volcanique, je les avais récupérés. Je les ai récupérés après la grotte aux araignées. Et je les récupère maintenant. Ceux-là sont vraiment buggés. Hein. Au passage, j'ai repris le téléporteur et je suis revenu dans le village des sables. Hein. Petite nostalgie, etc. Avec le magnifique faisceau d'écho bleu qu'on avait rétabli, hein, dans la partie numéro 2, je vous rappelle. C'était pour refaire marcher l'éolienne du maire. Hein, ça remonte quand même à super loin, quoi. Hein. Je me rends compte que ça remonte quasiment il y a un an, quoi, que je l'ai fait celui-là. Donc voilà, ça me fait tout chaud au cœur, entre guillemets, de finir ce walkthrough, parce que voilà, je l'ai commencé il y a super longtemps en fait, et j'avais vraiment envie de le finir et pas qu'on me dise tiens, t'as encore oublié de finir une série, parce que moi je suis quand même pas mal dans ce top-là, du genre je commence une série, je la finis jamais. Donc voilà, ça me fait quand même sympa. Enfin, je suis quand même tout,
C'est quand même plein d'émotions cette vidéo parce que c'est quand même la dernière du World Show. C'est la dernière fois qu'on touchera Jak and Daxter sur la chaîne, à moins que je refasse le World Show, je ne sais pas. Donc voilà, ça fait toujours un petit peu quelque chose quand on finit un World Show. Donc si vous en avez déjà fini, vous le savez. Donc c'est mon 3-4ème que je finis. 3ème, ce que je finis, excusez-moi. Je m'avance un petit peu, voilà. Je suis comme ça, je suis un homme comme ça. Comprends ce propulseur. Se téléporte ici, on reprend ce propulseur et on se téléporte sur la plateforme du pélican. On va taper le pélican, il va dropper sa pile. Alors on le tape, la pile est jetée. Oui, comme dit Daxter, faut aller la choper avant qu'il la rattrape. Donc on va monter, on va récupérer la pile et 101ème pile d'énergie, voilà, elle est récupérée enfin. Donc moi je vais vous dire, en espérant que vous avez aimé ce World Show qui a été assez long, ouais, sans une pile d'énergie, et on se retrouve juste pour la cinématique de fin de jeu. Donc moi je vous dis, en espérant que vous avez aimé ce World Show, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, peut-être que je ferai celui de Jak 2. Allez, ciao tout le monde, et je vous laisse la cinématique bien sûr de fin de jeu. Ciao ciao. Par les précurseurs.